la salle à manger. Il y a une armoire à peine luisante qui a entendu les voix de mes grands-tantes, qui a entendu la voix de mon grand-père, qui a entendu la voix de mon père. Ses souvenirs, l'armoire est fidèle. On a tort de croire qu'elle ne sait que se taire, car je cause avec elle. Il y a aussi un coucou en bois. C'est pourquoi il n'a plus de voix. Je ne peux pas le lui demander. Peut-être bien qu'elle ait cassé la voix qui était dans son ressort, tout bonnement comme celle des morts. Il y a aussi un vieux buffet qui sent la cire, la confiture, la viande, le pain et les poires mûres. C'est un serviteur fidèle qui sait qu'il ne doit rien nous voler. Il est venu chez moi bien des hommes et des femmes qui n'ont pas cru à ces petites âmes. Et je souris que l'on me pense seul vivant quand un visiteur me dit en entrant: « Comment allez-vous, Monsieur Jones ? »